Ministre Daniela Rangiafin, une gouvernance minière objective est possible. Le secteur minier, au même titre que l'ensemble du secteur économique à Madagascar, est éprouvé par la crise qui pénalise les industries extractives et les retombées positives attendues par le pays. Une gouvernance minière objective, dans une situation politique trouble et confuse, est certes difficile mais pas impossible, a souligné Daniela Rangiafin, ministre des Mines, au cours de la cérémonie de présentation de vœux de son département qui s'est tenue aujourd'hui au Carlton Danus. Elle a profité de l'occasion pour souligner que les éventuels amendements et réformes doivent s'identifier avec les aspirations économiques nationales qui seront comparées aux réalités économiques nationales, aux réalités économiques mondiales et aux aspirations internationales. C'est dans ce cadre également que des protocoles d'accords de partenariat et de collaboration ont été signés en 2012 avec le VVF et la Chambre des mines de Madagascar. Nous espérons que cette année 2013 sera une année de concrétisation d'encore plus de projets de coopération. Bâtir une économie minière durable impose une vision loyale et sincère de la réalité extractive nationale. Comparer et associer objectivement à la gouvernance minière mondiale. Madagascar, comme beaucoup de pays d'Afrique, est à l'aube d'une ère minière. Pour être profitable, l'abondance des ressources doit être alliée à un savoir-faire, des moyens financiers et à un savoir-être également. Le débat sur le développement du secteur minier est très passionnant, mais doit être dépassionné. C'est un sujet très actuel, profond et global. Actuel parce que le besoin de valoriser la richesse est éprouvé, présent dans nos cœurs. Profond car il nécessite une expertise avérée pour être efficiente et stable. Global car tout le monde doit être impliqué. Cette cérémonie de présentation de vœux a permis à Pamphile Rakotouarman, secrétaire général du ministère, de dresser le bilan des activités durant l'année 2012.